Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vais ouvrir mon bébé reborn. Du coup j'ai eu commenté un nouveau bébé reborn qui sera le jumeau de lui, du coup de bébé reborn. Et du coup j'ai hâte. Et allez let's go. Ah oui, et désolé pour le bruit. Donc voilà, je suis pas sûre mais je crois que j'ai ouvert, donc je suis stressée. J'aime pas faire à une main parce que comme on tient la vidéo... C'est difficile d'ouvrir une main. Bah, oh my god. Oh my god. Désolée, mais je suis hyper contente. Ah, mais il faut ouvrir sur les côtés aussi. Ah, merde. Bon, bah, on se retrouve juste dès que j'ai coupé. Donc, voilà. Ok, allez. Désolée, mais... je suis contente. Je suis émue. Je suis trop contente. Et son petit biberon qui est livré avec, je suis trop contente. J'ai pleuré. My god, regardez, elle est trop belle. Oh, regardez de la plus près, elle a son petit chapeau. Ses petits vêtements trop choux et elle a même un doudou. Si vous vous sentiez, il est trop doux le doudou. Oh my god. Je suis désolée, hein, mais j'ai fondu quoi. Je suis un peu... Merde, je suis trop con de moi. Bon, donc, je vous présente un peu son petit bonnet. Donc, il est comme ça. Voilà. Et il est trop chou. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, à mon autre bébé reborn, pas là, pas maintenant, il a pas le même bonnet. Mais souvent, je lui mets le bonnet qu'il a eu quand je l'ai eu. Et du coup, je sens que lui, ça va devenir le bonnet d'elle. Oui, je suis trop contente. Les gars, Donc, on va la sortir du pack. Oh, mon bébé, elle est trop chou. Oh, mais elle est douce. Purée, je vais pas dire de gros mots, mais... J'avais envie de dire... Oh mais elle a aussi une petite tête, regardez. Ah, c'est monté. C'est trop chou. Par contre, j'aime pas trop la tête parce que c'est en forme d'animaux. Enfin, genre, j'aime bien les animaux, hein. Mais j'aimerais bien avoir une tutute tout simple, en fait. Une tutute simple. Voilà. Donc, allez, on la sort. Ouais, j'ai pas vu, du coup, il y avait une ficelle. Du coup, il va falloir la tirer, cette ficelle. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle et oh là là, elle est belle, elle est douce en plus, mais elle a les cils, contrairement à lui, je lui avais fait faire un bain, les cils étaient partis, pareil que les cheveux ils étaient pas partis, mais en fait ils étaient dégueulasses, voilà, je lui enlève le fil, donc voilà à quoi elle ressemble, donc j'étais tellement pressée, j'ai voulu regarder son corps, donc je vais vous compter, enfin je vais vous montrer comment ça fait avec son. Normalement ça devait être des jumeaux, vous allez me dire, enfin ouais donc ça c'est pas normal, enfin ça je vais y enlever en fait, ça devrait pas y être. Normalement c'est juste le coton, enfin voilà. Je sais pas, ça vient de Wish, donc voilà, hein, je sais pas comment ils se débrouillent mais bon. Voilà, let's go. Donc quand on les regarde, on constate qu'elle est un peu plus petite. Niveau tête, comment dire, c'est même pas un reborn niveau tête. Enfin, je trouve c'est... Voilà, donc lui, voilà. Ses cheveux, par contre, ils sont super doux, j'adore, voilà. On va voir en détail. Oui, bon, désolé, hein, c'est parce que je lui avais donné de la purée. Ouais, petit truc. Et vous me direz en commentaire s'ils peuvent faire jumeaux. Puisque bah, normalement ils étaient jumeaux. Mais maintenant je suis plus trop sûre. Maintenant je suis plus trop sûre. Enfin voilà. Et désolé pour les bruits, c'est mes frères et sœurs qui jouent. Enfin voilà. Vous me direz en commentaire. Donc on va l'habiller avec tout. Avec son doudou, son biberon, tout ça. Et puis on va voir. Donc je lui ai mis son petit pyjama et aussi lui il s'appelle Mathis Pellissier Brachet. Il est né le 2 décembre et du coup je sais pas encore si ça va être sa jumelle mais je crois pas, je pense que ça va pas être des jumeaux. Et du coup voilà, je vais lui mettre son petit bonnet. Voilà mon bébé. Donc vous savez, il y a un moment j'ai coupé parce que ma mère est venue et elle est venue dans ma chambre parce qu'on a beaucoup parlé. En fait, je vous explique vite fait. Au départ, on s'attendait à avoir un bébé qui avait une vraie... Enfin, tout en caoutchouc comme ça, mais pas du truc. Donc, n'allez pas acheter chez Wish, c'est pas très fiable. Plus sur Amazon, même si ça pollue, bon bref. Et du coup, on en a parlé, si je voulais le garder, parce que
Je vais vous dire, hein, sans critique, s'il vous plaît. Il a coûté 60 euros. Donc, vous me direz. Au départ, il coûtait 700 et quelques. Donc, je pense que j'ai fait une assez bonne affaire. Mais après, il faut que vous me dites si ça peut être sa jumelle. Non, je pense pas. Mais bon, voilà. Autrement, elle sera le nez. Donc, elle sera le nez le 5. Si c'est pas sa sœur jumelle, eh ben, elle sera née le 5. Je sais pas combien. Le 5, je sais pas. Enfin bref, voilà. Le mois. Donc voilà. On en a beaucoup discuté. Même si c'était pas celle que j'attendais. Et ben j'ai décidé de la garder. Parce que ben, c'est comme un enfant. Quand on a un enfant, ben, c'est pas nous qui choisissons. Hein, désolée, mais bon, au départ, c'est pas nous qui choisissons. Qu'il soit beau ou moche. Mais elle est pas moche. Hein, je suis désolée, mais je la trouve vraiment pas moche. Je la trouve belle, très belle. Surtout la tête, mais voilà, c'est pas ce que j'attendais, mais je suis juste vraiment très contente. Donc voilà, c'était ma pouponne et on va lui mettre ses petits accessoires, donc son petit biberon et son petit, comment ça va s'appeler? Ah oui, au départ, le biberon, il était pas avec. Donc, normalement, on ne devait pas recevoir du biberon. Du coup, bah, je suis assez contente. J'aurais pas en racheté un autre. Allez, go. Voilà. Donc, elle a son doudou de naissance. Donc, je suis assez contente parce qu'au départ, le doudou non plus n'y était pas. Du coup, bah, au moins, j'aurais pas de doudou à racheter. Puisque, comment dire que j'ai plus de doudou? Chut, ne dites pas. Voilà. Non, en vrai, j'ai beaucoup de doudou, mais enfin, voilà quoi. Donc voilà, ça sera son petit doudou. Et voilà ma petite fille. Et ah oui, et elle s'appelle Rose Pélissier Brachet. Et puis, bah je l'aime. Donc, bah voilà. Donc je sais pas si vous avez remarqué, je vais vous mettre les deux à côté. Donc comment dire que lui en fait il a ses petits trous genre. Donc lui avec un vrai corps. Pas elle, mais bon c'est pas grave. Donc lui en fait il a des petits trous genre au pied. Là, là, oh là. Au petit ventre, aux petites têtes, alors que elle a des rougeurs sur la tête, mais pas aux pieds, pas aux mains. Les mains sont plus que fausses. Enfin voilà quoi. Cette main, je la préfère à l'autre parce que enfin, voilà quoi. Donc voilà, mais je l'adore, ma petite bébé. Voilà, donc bah on vous fait de gros bisous. Bah, je pense que vous allez la revoir souvent sur ma chaîne maintenant, puisque bah, c'est mon nouveau bébé. Du coup, bah, je vais m'en occuper beaucoup. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye! Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Faites tout ce que vous voulez. Gros bisous! Comme vous voyez pas souvent ma tête. Voilà! Gros bisous!